Alors c'est quoi le plan? Bah le plan il est plutôt cool, on va aller dans les Alpes, trouver un bon petit spot en hauteur, cuisiner une orgie de nourriture. Si ça, ça a pas l'air délicieux. Se faire kiffer, en prendre plein la vue et essayer de rouler sur un maximum de pistes 4x4. Alors pour cette aventure, j'ai ce fameux Land Cruiser. Eddie, il est fort, il est beau, il roule bien, je l'adore, il est bien équipé. Comme d'hab, je suis organisé comme jamais. J'ai tout le matériel pour dormir, j'ai mis 2-3 vêtements, un essuie, une lampe, de l'eau. Et cette fois-ci, j'ai été organisé, j'ai déjà fait les courses. Là, normalement, il y a tout ce qu'il faut pour manger. Donc on peut y aller. Non, c'est faux, ce serait pas aussi simple. Quart de tour. Bip bip. Comme ça qu'on fait. Et voilà, on va y aller. C'était juste ça qui me manquait. Cette vidéo elle est sponsorisée par Google, le Google Pixel 6A que tu peux trouver chez Boulanger. C'est le téléphone qu'on va utiliser dans cette petite aventure. T'en sauras plus au cours de la vidéo. Mais là, il est temps de prendre la route. Alors, faut mettre le GPS. Waze. Je sais pas où je vais. Wikiloc, ce sera plus facile. English Language 1. Voilà. Allez, c'est parti. De route, on va dans les montagnes. Ça m'avait pas manqué le diesel à 2,05€. Il est 2h30. Comme j'ai pas mal de route, je vais prendre un petit peu soin de moi en mangeant de la vraie nourriture bien locale. Bonjour. Une moyenne frite avec 2 sauces andalouses, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Trop bien. Merci, hein. Merci à vous. Une bonne journée, au revoir. Au revoir. Le plat est fait. Les frites sont prêtes. Ça, c'est du petit plaisir. Pas belle la vie, franchement. Il y a un truc que j'ai envie de tester très rapidement avec le Google Pixel 6A. C'est la petite gomme magique. Si je ne me trompe pas, si tu prends une photo ici, là. Tu vas dans l'application photo. Tu mets modifier. Outils, gomme magique, tu lui sélectionnes par exemple ce petit truc là qui est indésirable. Et voilà, il disparaît. Et t'as une belle photo sans plus aucun panneau. Allez, on y retourne. Je viens d'arriver en Suisse. J'avais oublié deux petits détails qu'on n'a pas en Europe mais que tu as en Suisse. De un, c'est la vignette, 42€. Je l'ai acheté et je sais pas où je l'ai foutu mais je l'ai déjà perdu. Et de deux, c'est que j'avais oublié mais en fait... Il n'y a pas de réseau, enfin je veux dire, tu payes très cher l'internet. Et comme j'ai pas prévu mon itinéraire, je comptais utiliser les applications et tout pour suivre les traces. En vrai, ce petit détail de l'internet n'en est pas un parce que j'ai pas téléchargé d'application hors ligne, que j'ai pas de carte. Donc je vais pas pouvoir m'en passer, surtout pour lancer l'itinéraire. J'ai trouvé un petit shopping mall. J'espère que tout n'est pas fermé et on va essayer de trouver une carte SIM. Faut juste un truc pour dépanner quoi. Do you sell SIM cards? How much do you need or for how long? 10 gigabytes for 1 week. Et voilà, 34 francs plus léger plus tard. J'ai internet. Le seul truc là, c'est que il est déjà 19h30. C'était l'heure à laquelle je devais arriver sur la piste et faire les premiers 20 km pour pouvoir vraiment profiter du soleil. Mais là, le soleil, je vais en profiter sur l'autoroute. Ça va être moins sexy. Donc, je sais pas si je vais déjà monter la colline, la montagne ce soir ou demain. Je verrai bien. C'est quand même un autre niveau la Suisse. L'état des routes, le cadre, les infrastructures, les montagnes. Splendide. Splendide. Tadam ! Commençage de la piste. Il y a juste un truc qui est un peu contraignant. C'est que sur la route, ils disent que c'est un sens unique et que c'est 2m10 maximum. À mon avis, je dois être à 2m40. Ouais, c'est pas bon. C'est là que t'es content de pas avoir un véhicule hein. Trop haut, tu vois. Surtout que je pense que ça ne fait que commencer. Ah non, mais c'est trop ouf. Premier test
de l'appareil photo du Pixel. Et il y a un petit niveau, c'est marrant ça. Attends, ça donne bien. Grand angle. Bim. Ha ! Trop facile. Ah ouais, 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 ouais. T'as vu comme c'est beau? Eh ben franchement, c'est... rien que pour ça déjà, là, je suis pas déçu d'être venu jusqu'ici. C'est marrant parce que c'est la première fois que je viens dans les Alpes, au final, en été, et surtout pour faire de la piste 4x4. Et on m'avait prévenu, mais en Suisse, soit c'est interdit, soit c'est payant. Et c'est pas faux, soit c'est interdit, soit c'est payant. Là, je me dirige vers un trail, une piste qui, je ne le savais pas, est payante. Mais je pense que si c'est payant, c'est que c'est joli. Et là, comme j'arrive, il est 21h, il n'y aura pas grand monde. Ce qu'on va faire, c'est on va monter tout en haut de la piste. Et voir la vue demain matin. Comme ça, on va tout monter quand il fait noir. Parce que là, ça n'a pas encore commencé, mais c'est déjà très joli. Et comme ça, demain matin, on descend. Tout simplement. Tu n'imagines pas comme j'ai le sourire aux lèvres, parce que être dans des paysages aussi jolis, pas si loin de la Belgique, ça me fait toujours quelque chose. Ok, c'est pas tout près. Mais aux États-Unis, ils ont l'habitude de parcourir des grandes distances. On n'est pas aux États-Unis. Mais quand même, moi, je relativise les distances, surtout le temps. Parce que quand je vois le temps que ça m'a pris de faire la route, ok, c'était quelques heures, mais quand tu vois le temps que tu perds tous les jours sur les réseaux sociaux, bah mon vieux, je continue ma route, on va aller faire à manger. Ah, c'est quoi? Mais voilà, en fait, il y a un horaire pour le sens de la route. Je pense pas que je l'ai respecté, mais j'ai pas posé de problème, c'est le plus important. Putain, j'ai l'impression d'être. En fait, là, tu me dis qu'on est aux États-Unis. Je sais pas où là. Je te crois. Hein. J'ai changé de trail. Je pense que celui que je viens de faire là, à moitié, je vais essayer de le faire demain parce que ça avait l'air d'être splendide. Et là, je suis en train de monter pour arriver à 2000 mètres d'altitude. Je pensais que c'est de la piste, c'est pas de la piste. Et c'est trop beau parce qu'il y a des sommets enneigés juste à côté. Eddie, il monte comme tu veux. Je suis à mi-gaz tout le temps alors que ça grimpe comme ça. C'est un bonheur. J'ai pas l'impression que j'ai pris le spot le plus sexy, mais comme je suis pas sûr de la légalité ou pas de pouvoir dormir, enfin en tout cas j'ai vu aucun panneau, aucun truc d'interdiction. Sur tous les sites où j'ai regardé, ils disent qu'on peut en tout cas dormir ici. Donc normalement c'est bon, mais j'ai quand même pas envie de déranger parce qu'il y a des petits chalets habités. Donc là je me suis mis au bord de la rivière, je suis un petit peu bien caché. Il est 22h, il est déjà tard. Est-ce que je vais me chauffer à cuisiner? Évidemment que oui, qu'on va se chauffer à cuisiner. Parfaite pour attirer les moustiques. Une orange, des gambas. Ah bah elle est passée où l'orange? Fenouil, yes. Huile d'olive. Yes! Et on a tout pour faire la recette de ce soir. Il manque juste un truc. Ah voilà! Et un peu de musique. En vrai, je suis vraiment impressionné de ce téléphone. Notamment de la batterie, parce qu'ils annoncent que cette batterie peut tenir jusqu'à 3 jours, 72 heures. Et j'ai réussi à faire aujourd'hui plus de 5 à 6 heures de Waze et de Spotify en plein soleil. Et ça, c'est déjà un milestone en soi. Le seul avantage que je vois d'avoir une si grande batterie, c'est que déjà, ça surchauffe pas quand tu le recharges et qu'il est au soleil. Et surtout, quand tu veux partir en randonnée, en trip et que tu n'as pas accès à l'électricité, c'est clair d'avoir au moins 3 jours en mode basse luminosité ou j'en sais rien, le fait qu'il tienne 3 jours, je trouve ça assez ouf. Ça, c'est du couvercle, tu vois. En vrai, je commence vraiment... Bon, ok, là, c'est le bordel. Mais je commence vraiment à apprécier avoir mon petit setup de cuisine. Parce que ça prend vraiment 2 secondes à sortir. Et là, s'il pleuvait ou s'il y avait un peu plus d'humidité, j'aurais simplement mis le au vent.
qui m'aurait protégé et j'aurais été tranquille. Et ben ça, je peux te dire que c'est un repas bien mérité. Après la bonne journée de route, c'est un espèce de riz mais avec des pâtes, de risotto mais avec des pâtes, avec de la feta, des scampi, de la sauce tomate, des tomates concassées, du basilic, des graines de fenouil, des petites épices assez sympas. On est bien là quand même, hein. Regarde ça quoi. Si ça, ça a pas l'air délicieux. Mazette, c'est bon, c'est incroyable de manger ça dans le cadre avec la rivière en fond. Mmh. Voilà, feta et les graines de fenouil et les scampi qui sont parfaitement cuits. J'adore. C'est toujours autant le bordel quand je cuisine, mais j'ai quand même l'impression que je m'améliore un tout petit peu. Pas en termes de rangement, mais plus en termes de saveur. Regarde ça, quoi. Mmh. Magnifique. Il a beau être 23h30, je kiffe. Alors, tu peux pas le voir avec ma caméra, là, mais il y a vraiment beaucoup d'étoiles dans le ciel. Je vois la Voie lactée, c'est canon. Je sais pas si j'arriverai à la prendre en photo, mais je vais essayer avec le Google Pixel. Il a un sacré mode nuit. Ça s'appelle vision nocturne et en gros, t'arrives à faire une pause longue de plus d'une minute trente. Il gère tout automatiquement. Et là, je suis en train de tester ça et ça a l'air plutôt pas mal. En gros, là, je viens de mettre, c'est même pas une minute trente, c'est 4 minutes en mode étoile. Je me demande bien ce que ça va donner. Ah bah tiens, on voit déjà un petit peu ce que ça donne. Et sincèrement, pour un téléphone, le résultat est vachement bluffant quand même. Et je viens de faire une photo pendant que je me brosse les dents. Attendez, j'ai pas dû faire grand chose. Parce que le téléphone a tout fait lui-même avec son mode vision de nuit. Franchement, le résultat. Je savais pas que c'était possible de faire ça avec un téléphone. Bref. Ha ! Oh, qu'est-ce que je suis bien. Regarde ça, quoi. Ma petite lampe, là, j'ai mes plantes que je laisse dans l'évier. Ah, quel bonheur de repartir à l'aventure. Surtout de faire ce genre de trip. Là, le fait que je sache que je vais me réveiller demain matin. Je vais me faire une de ces orgies de bouffe. Dès le matin, ça va être bonheur. J'ai hâte de découvrir la vue demain matin parce que je n'ai encore rien vu, vu que tout était noir. Même si c'est pas ce à quoi je m'attendais, je pense. Parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus gravillonneux avec plus de pistes, etc. Je pense que ça va être sympa. Je vais peut-être pas me lever trop tôt non plus parce que je tiens à ma survie. Donc, on va dire réveil 7h. Je pense que le lever de soleil doit être vers 6, 6h30. Donc juste un peu après le soleil, voilà, on m'en voudra pas. Allez, bonne nuit et on se voit demain. Joyeux matin, doux réveil, la vue est pas mal. Le soleil qui venait lécher le sommet des montagnes ce matin, c'est fantastique. Il n'y a plus de neige, enfin, en tout cas pas de, j'en vois pas d'ici. Je suis trop heureux de me réveiller ici et regarder la vue de la fenêtre. La lumière est déjà bien haute, mais ouais parce qu'il est 8h, j'ai pas réussi à me lever tôt, c'est pas grave. J'avais besoin de me reposer. Je vais pas tarder parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire ce matin. Il y a du niveau quand même, hein. Franchement, ça c'est un vrai joyeux matin parce que il y a pas de vent, parce que il fait beau. Parce que je suis tranquille et surtout, je sais pas, la température, tout est nickel. Je comptais bouger un petit peu pour avant de manger le petit-déj en me disant que j'allais aller plus haut. Mais moi, autant il y a des gens qui, dès qu'ils se réveillent, ils ont besoin de leur clope ou de leur café ou les deux, autant moi, j'ai juste besoin de manger. Si je mange pas le matin, genre, je me réveille, j'ai la dalle. Si je mange pas, ma journée, elle commence pas, tu vois. Ton corps, il se met pas en route. Donc, opération. Et un petit peu de musique. Jus d'orange. Frais, pain frais grillé, omelette. Santé, hein. Enfin non, la mouche. Allez. Dehors.
Le campement est rangé, j'ai laissé aucune trace. Je vais partir, je vais aller découvrir ce qu'il y a là en haut et puis on ira ensemble découvrir le trail qu'on a commencé hier quand il faisait trop noir. Quart de tour. En fait, ce qui est incroyable avec un 4x4 comme celui-ci, c'est que tu passes dans des croisements de ponts qui sont sincèrement difficiles, mais c'est tellement habile comme 4x4 que ça rend tout trop facile. Voilà. Hier c'était clair, je ne voyais rien, mais je pouvais pas m'imaginer que j'allais découvrir ça. C'est sublime. Bon ben voilà. Je suis arrivé plus ou moins en haut, mais c'est fermé. Donc on va pas pousser, je vais faire demi-tour tranquille. Et on va aller à l'autre trail. Demi-tour ! Oh, c'était prévu, hein. Oh là 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 là. De retour sur la piste d'hier, c'est 6 km qui longe la rivière tout simplement. Et c'est déjà une ambiance complètement différente. C'est fou de se dire que vraiment deux vallées peuvent être complètement distinctes. Oh là 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 là, il y a un glacier tout en haut avec des cascades. Ouh ! J'ai trouvé un cousin de Eddie. Enfin non, on va appeler ça le petit frère. C'est la version courte, même couleur. Putain, mais est-ce que là t'as vraiment l'impression d'être en Suisse? Moi pas, ok. Là je suis dans un autre monde. Et voilà, je suis arrivé au bout. Regarde, derrière moi, là-bas, le glacier, tout l'enchaînement de cascades. Il y en a 3-4 visibles, c'est splendide. Et c'est vraiment fou parce que le débit d'eau est hyper intense. Tu vois vraiment que c'est le glacier qui fond. C'est sûrement dû aux grosses températures. Et ce qui est ouf aussi, c'est que hier soir, l'eau était vraiment brune. Alors que là, elle est beaucoup plus claire qu'hier. Je pense que je vais aller faire un petit plouf dans la rivière juste là. Ça va être très froid. Mais d'abord, je vais faire un petit récap parce que le Google Pixel 6a là, que tu peux trouver chez Boulanger, il m'a quand même pas mal impressionné, notamment au niveau de sa batterie. Le mode photo de nuit est vraiment cool. En tout cas, il est vraiment utilisable pour faire de la vraie astrophotographie, ce que j'avais jamais fait avec un téléphone. Puis toutes les petites options que j'ai testées sont quand même sympas, la petite gomme sur les retouches photo. Merci à Google d'avoir sponsorisé cette vidéo parce que c'est un chouette produit, tout simplement. Je sais pas pourquoi j'ai dit que j'allais aller nager, mais je l'ai dit, donc je vais le faire. Dis-toi bien que l'eau, elle vient juste de là, tu vois. Donc autant te dire qu'elle est bien fraîche. Oh, ça pique. Ah, je sens plus mes pieds. C'est incroyable. C'est efficace en tout cas. Je pense qu'on a réussi l'objectif de cette vidéo. Se mettre du plaisir dans les Alpes. Manger un bon repas, un bon petit déj, en prendre plein la vue et rouler sur de la piste. C'est tout ce que je demande. Moi, je vais continuer ma route en France parce que là, il y a encore plus de pistes. Ça fait une bonne petite douche. Allez, moi, je prends la route. On se voit dans la prochaine vidéo. J'espère que tu as kiffé cette petite vidéo détente, plaisir, bivouac, road trip, comme on aime. Quart de tour, comme d'habitude. Et en vrai, ça passe quand même tout juste, hein, on se le dise. Pas mal, hein, quand même.